Bonjour et bienvenue à Chaîne de Cristal. Aujourd'hui, on va parler, vu que c'est la fin du mois, donc du mois d'octobre pour les livres. Voilà, donc je vous montre ce que j'avais fait pour le mois d'octobre. Vous voyez comment j'ai écrit octobre, vous voyez comment j'ai fait. Donc voilà, donc je vous explique. Donc le titre. Donc d'un côté, vous avez le mois d'octobre et Halloween. Voilà, donc je vous montre. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tous les livres que j'ai achetés. Donc vous avez le tome, enfin en 1, le tome 1, Twilight Fascination. Ensuite vous avez en 2, Twilight chapitre 2, Tentation. 3, Twilight 3, Hésitation. Tome 4, vous avez Twilight Révélation. Tome 5, le spécial Twilight mais Mehdi, je sais pas quoi, bref, parce que c'est écrit en anglais. Ensuite, vous avez BL Métamorphose volume 4. Et après, il n'y en a plus. Si ma mémoire est exacte. Voilà. Après, vous avez Ça sera moi. Donc, je sais pas si vous connaissez. Voilà, parce que je connais pas les noms de tous les gens qu'ils ont fabriqués. Qu'ils ont écrit les livres, pardon. Voilà, j'avais même pas me référer. Ensuite, Jess Bond du monde. Ensuite, vous avez le classique Jess Bond. Ensuite, vous avez Prototype et Stephen King, le SA. Donc, en fait. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, donc j'en étais où moi? Et ça, donc maintenant, j'ai oublié, donc je vous montre tous les livres. Donc, les Twilight. Ça, c'est le volume 2. Enfin, si je vous montre dans des ordres, ça doit être le volume 4. BL Métamorphose. La manga, pardon, le manga, c'est le dernier volume. Voilà, il est là. Ça, c'est autre chose, je l'ai mis là-dedans, mais on ne va pas là-dedans. Ça sera moi. C'est ça, voilà. Donc ça sera moi, si vous connaissez pas. En fait, c'est une chinoise, en fait, voilà. Et comme ils n'aiment pas pouvoir raconter un peu l'histoire voilà, sans vous trop vous la spoiler, si ça vous intéresse. En fait, c'est une chinoise, en fait, là où elle habite, dans son pays, dans son village. En fait, ils n'aiment pas les personnes gros, un peu obèses, on va dire. Voilà. Et elle va faire une émission comme un pop star. Vous savez, en France, un pop star. Genre comme ça, voilà. Et elle va gagner. Et donc ça parle un peu de ça, et ça parle des années bah, un peu 80, voilà, sur les stéréotypes de, comment je pourrais vous dire ça, de l'obésité, là, puisque chez eux, ils doivent tous être comme ça, voilà, et mesurer, je sais pas combien de mètres, voilà. Donc ça vous intéresse, bah, allez-y, parce que moi, j'ai pas encore lu, mais il a l'air d'être génial, sur ce que j'en ai déjà entendu parler. Tome 1 de Twilight. Donc je lui montre un peu dans le désordre parce que j'ai fait tout et n'importe quoi. Et c'est pas grave. Tome 3 de Twilight. Ah, donc là je vous montre tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Il y en a en tout 11, 12. Il y en a un peu plus de 12 parce qu'en fait il y en a que j'ai pas reçu encore mais c'est pas grave. Parce que c'est pas encore le moment de les avoir. C'est pour le mois de Noël. Donc voilà quoi. Prototype que j'attendais avec grande impatience. Donc bah prototype. Ça, le nom, il veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je ne l'ai pas lu, je ne sais plus de quoi ça parle parce que ça fait un bon moment qu'on m'a dit de quoi ça parlait. Donc c'est sur les robots, voilà, robotique. Ça passe à la robotique, voilà. Le spécial Twilight. Avez ça. Et là, je vous montre pas, mais il y a les deux gros de James Bond parce qu'ils sont tellement lourds. Donc moi, j'ai cru que celui-là, c'était un magazine. Mais en fait, ce n'est pas un magazine, ça arrive en livre. Et mon très cher ami Ludo, bah, lui, il a eu le magazine, donc j'ai rien compris. Pour ça, j'aurais bien aimé l'avoir en magazine. J'aime bien découper coller voilà l'autre c'est encore un autre James Bond le spécial de tous les films qu'il a fait voilà donc est très bien celui-là ça parle encore d'autres choses sur James Bond donc voilà je crois que je vous ai montré tous les livres que j'ai acheté ce mois-ci il y en a un an même pas attendez je vais vous montrer parce qu'il y en a un que je vous ai pas montré et c'est un Stephen King voilà donc moi les Stephen King ça fait deux hein. Enfin, ça fait un, pardon. J'aime plus. Ouais, parce que j'aime bien Stephen King, voilà.
Donc le SR de Stephen King, on est bientôt dans la bonne période. Hein. Surtout qu'il est passé de la fois à la télévision. C'était quand vendredi dernier, je crois, je sais plus. Bon bref, j'ai kiffé. Pour vous dire, j'ai kiffé, surkiffé, parce que je l'avais déjà vu. Mais le Stephen King, par contre. Le vrai de vrai, c'est celui de Stephen King, le SA. C'est pas le machin de nouveau là que j'ai qu'ils m'ont donné en téléchargeant le SA. En fait, ils m'ont donné ça. Voilà. Enfin, mon truc, ça, mais ça, je peux pas vous en parler pour l'instant, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, le SA, il traîne quelque part par là, que je vais vous montrer. Parce qu'évidemment, là, j'ai des attestations, si encore on en a besoin, parce que maintenant, on est en mode confinement. On est de nouveau de retour pour le confinement. Bon, ça, on en parlera après dans une autre vidéo, par contre. Si je retrouve mon coffret, par contre, parce que je trouve ça. Voilà, il est là mon coffret, évidemment. Je cherche et je cherche et je cherche parce que je suis en train. En fait, c'est un peu fouillis parce qu'en fait, je suis en train de faire les travaux. Donc, voilà. Donc, voilà mon coffret de Stephen King. Du SR de Stephen King. Voilà. Et là, vous voyez, il y a les deux. Un, deux. Voilà. Donc, j'avais commencé à le lire, mais le 1, mais. Après, j'ai arrêté et je sais qu'il faut que je continue demain absolument dans la journée. Mais comme j'ai encore pas mal de trucs à faire pour mes travaux, pour tout ce que j'ai à faire, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, en même temps, je vous montre. Donc, voyez, ça m'a pris une bonne page comme ça. Vous voyez, octobre. Tout ce que j'ai acheté en livre, donc j'en ai acheté moins. Au moins une vingtaine de livres moins parce qu'il y en a que j'ai pas noté parce qu'en fait je les ai pas encore reçus mais je les avais achetés. Voilà, il faut juste qu'ils me l'envoient, je sais pas en quelle année. Par contre, voilà. Là j'en ai presque une vingtaine pour vous dire. Ensuite, après, je vais laisser la page pour écrire encore. Là, je dis tous les livres que j'ai lus. Bah, j'ai lu que BL Métamorphose volume 3 et 4. Voilà, vous voyez ici. Je sais pas si vous allez voir ici. Voilà, BL Métamorphose, donc c'est toujours le manga. Voilà, et donc on s'arrête au. 4 pour l'instant, je sais pas s'ils vont faire encore ou si c'est fini, fini. Voilà. Oh, c'est une chatouille. Donc pour le mois d'octobre, vous avez vu, il y a déjà tout ça. Voilà. Après, là, je me suis fait une petite feuille, vous voyez, pour Noël. Donc voilà, vous avez déjà ça, déjà, pour Noël. Donc il y a déjà un livre qui m'est arrivé, surtout le livre que j'avais commandé pour Noël. Je me suis dit je vais les commander en avance, comme ça je les aurai pour Noël pour les lire au mois de. Enfin, au bon moment. Voilà. Parce que je vais faire une autre vidéo ce que je voulais faire. Voilà. Ensuite, j'ai fait le mois de novembre, mais je vous le montre pas encore parce qu'on n'y est pas. Ah bah si, on y est. Bah si, on y est, donc je vous le montre. Donc je vous le montre et après je vous tournerai une autre vidéo pour vous expliquer le mois de novembre. Et j'arrête plus à parler. Bon bref. Un bon sujet que je voulais vous montrer, vous parler, vous expliquer, voilà. Pour faire un. Donc voilà, je vous ai fait ça pour le mois de novembre, vous voyez. J'ai écrit novembre, j'ai mis un peu. Donc le mois de novembre, c'est qu'il pleut. On est toujours en mode de saison. Je sais plus, ça y est, j'ai perdu, j'ai un peu de mémoire. Printemps? Non, à l'automne, pardon. On est toujours à l'automne, si ma mémoire est exacte. Donc, j'ai mis des livres parce que c'est sur des livres. J'ai mis des feuilles parce que c'est le printemps. Non, l'automne. Oh, on est en automne, pardon. Je vais jamais y arriver ce soir. Enfin, bref, c'est pas sûr, bref. Donc, on est en automne. Voilà. Donc, il y a des feuilles. Il pleut tout le temps. Donc, j'ai mis un parapluie. Comme c'est des livres. Sur quoi je parle le thème. Donc, j'ai mis des livres. J'ai mis un champignon parce que ça fait partie du mois de l'automne. Voilà. Ensuite, j'ai mis, bah, comme d'habitude, le livre que j'ai acheté. Donc, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, donc là, ça, c'est autre chose. Ça que je voulais faire et que je me suis mal pris. Voilà. Et que j'étais en train de faire le mois de décembre, mais je ne peux pas vous montrer le mois de décembre parce que j'ai rien fait. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, vous avez vu tous les livres que j'ai pris, enfin que j'ai acheté au mois de octobre. J'allais dire au mois de novembre, ça y est, je sais même plus, voilà. Maintenant, je vais vous tourner juste après ça, vous allez avoir tout de suite après la vidéo qui concerne
une catégorie de livres que je dois vous parler. Et si vous voulez faire le challenge avec moi, bah, vous allez le faire, ça vous intéresse. Et j'en suis sûre que ça va vous plaire, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui en ont. Pardon, des livres sur ce thème. Donc voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, d'activer la cloche pour sortir mes dernières vidéos. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne. Ça me fait énormément, mais alors énormément plaisir. Voilà. Sur ce, je sais qu'on est de nouveau dans le confinement, malheureusement, pour certaines personnes. Parce qu'il y en a certaines personnes qui vont faire maison, travail, maison, travail, donc dodo. D'autres enfants, bah, c'est pareil aussi. Ils vont aller de l'école à la maison, de la maison à l'école, ils vont faire que ça. Voilà, c'est génial, hein? Et comme moi, je reste H24 sur H24 à la baraque. Donc je ne sais pas si les magasins d'un certain comme la Fnac d'artisan, ils ont décidé d'être ouverts pour. Mais je ne pense pas qu'Action, pour les adeptes d'Action, ça c'est encore ouvert. Je ne dis rien. Je ne dis pas que c'est ouvert, pas ouvert, mais je pense que ça ne sera pas ouvert. Voilà, depuis, bah, depuis aujourd'hui, nous sommes au confinement. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comme je vais te faire avec les amis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce, pour aujourd'hui. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, et restez bien en confinement. Que le confinement se passe bien pour tout, pour vous et vos proches. Sur ce, à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Christa.